Eh bien, yo tout le monde les photos, c'est Flouz, aux commandes pour une toute mes deux sur du Fortnite Battle Royale. Dans cette vidéo les frérots, je vais vous expliquer comment avoir le nouveau pack de skins KFC gratuitement sur Fortnite. Mais avant de commencer à parler du sujet principal de la vidéo, je tiens à vous remercier énormément pour tous ceux qui m'ont mis en tant que créateur sur Fortnite. Parce qu'aujourd'hui je suis heureux de vous annoncer qu'on a atteint les 100 soutiens. Donc c'était juste un truc de fou parce que hier je me lève et je regarde un petit peu mes petites actualités sur ma chaîne YouTube, sur mon tableau de bord en fait avec les soutiens. Et je vois qu'on avait pris plus de 30 soutiens hier. Donc je vous remercie encore énormément, c'était juste un truc de fou. Et les frérots, je vous avais promis que quand on atteint les 100 soutiens qui m'avaient mis en tant que créateur, vous aurez un concours. Et chose promis, chose due, vous allez voir dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Donc les frérots, maintenant qu'on a parlé du code créateur, au passage, vous pouvez me mettre dans la boutique en tant que code créateur qui est FlouzYT, je vous le mettrai à l'écran même maintenant. Maintenant les frérots, on va parler du sujet principal qui est simplement KFC. On va parler de KFC avec vous, vous allez voir, vous allez me dire, mais what the fuck, Flouz, tu t'es pas changé, t'as pas un petit peu changé de vidéo là? On est sur du Fortnite, hein, on n'est pas sur du KFC. Vous allez voir que les frérots, qu'un pack de skins KFC arrivera. Alors normalement, je vous dis pas de conneries, il pourrait avoir aujourd'hui même, hein, écoutez bien, un pack KFC sur Fortnite arriverait ce soir sur Fortnite, vous allez voir pourquoi. Parce que en fait aujourd'hui on va parler de la hype qui est sur Twitter, qui est en fait le pack de skins KFC qui pourrait arriver sur Fortnite. Et donc la chose qui pourrait avoir le plus de sens pour ce pack, c'est qu'il arriverait en tant que starter pack. Pour ceux qui ne savent pas, je vous avais déjà parlé dans une ancienne vidéo qui date de maintenant plus d'une semaine, qu'un starter pack arriverait sur Fortnite pendant les défis de la semaine 7 ou 8, parce qu'en fait, tous les deux mois, à chaque saison, il y aurait un starter pack sur Fortnite. Et donc, on a eu beaucoup d'informations, en fait, avec des images que les Anglais avaient fait, en fait, pour KFC, et ils avaient mis, en fait, un starter pack que je vais vous mettre à l'écran même. On pourrait voir dessus le skin Colonel Sanders et, bien sûr, la pioche Bucket Basher. Donc voilà, on pouvait même voir dessus que la bucket coûtait 1500 V-Bucks. Donc à voir s'il sortirait tout ça dans une boutique en version limitée. Ou le truc qui aurait le plus de sens, c'est qu'on l'achète en tant que starter pack, voilà, pour 5€ comme d'habitude. Et je pense que Fortnite va avoir plus un avis sur ce que je vous ai dit, le starter pack, parce que ça ferait plus d'acheteurs. Parce que oui, si vous sortez une pioche et un skin à 1500 V-Bucks chacun, on va dire, c'est vrai que ça fait 30€, alors que vous achetez un starter pack à 5€, vous aurez plus d'acheteurs, donc plus de bénéfices à la fin, et donc ça ferait une plus belle pub pour KFC et pour Fortnite. Donc les frérots, pour tous ceux qui seront en tant que créateurs dans ma boutique, ne vous inquiétez pas, vous avez tous été enregistrés dessus, à part quelques-uns. Donc je tiens à vous dire tous ceux qui m'ont mis en tant que créateur sur Fortnite, n'hésitez pas énormément à m'envoyer une photo, que ça soit sur la Play, que ce soit sur Discord, sur Snapchat ou sur Twitter, en m'envoyant dans la boutique FlouzYT en tant que créateur, et je te mettrai en plus dans le soutien en tant que code créateur dans la liste. Donc les frérots, si toi aussi tu veux participer au concours, il n'y a rien de très dur, tu fais comme je t'ai dit, vous mettez en tant que créateur et je vous ai dit dans la petite liste. Et je remercie encore énormément aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'on a plus de 100 soutiens et ça fait super plaisir. Donc les frérots, je vais vous expliquer, dès que le pack de skin starter pack en fait arrivera en tant que sur Fortnite en fait, sur KFC, vous allez voir que je vais vous mettre sur Snapchat un petit concours pour faire gagner 5 starter packs. Donc c'est pour cela que je vous ai mis dans le titre gratuit, voilà, parce que je vais en offrir 5 pour tous ceux qui souhaitaient en tant que créateur. Ça sera uniquement les personnes qui mettent en tant que créateur, voilà. J'ai plus envie de faire de concours pour les gens que en fait ils me soutiennent pendant une semaine et qui se désabonnent après le concours. Voilà, moi je cherche pas ça à la base, je cherche vraiment à faire plaisir pour mes abonnés et c'est pour cela. Donc les frérots, aussi aujourd'hui, proche, j'avais parlé qu'il pourrait avoir dès ce soir, le 14 janvier en fait, sur Fortnite, KFC qui mettrait un pack. C'est tout simplement que KFC a linké une image et vous pouvez voir dessus qui a marqué 14 janvier 2019. Et on peut voir aussi une vidéo et un petit message en anglais. Bon, le message en anglais, je ne l'ai pas traduit, mais on sait tous que déjà le 14 janvier, c'est bien sûr le 14 janvier. Donc, ou c'est peut-être une annonce pour dire qu'à partir de 14 janvier, il y aurait quelque chose qui va arriver prochainement. Ou pourquoi pas, dès ce soir, on pourra voir à partir de 1h du matin, un starter pack sur Fortnite avec bien sûr le skin KFC. Voilà. Aussi, une autre théorie qu'on a pu se faire avec des potes à moi, c'est que pourquoi pas rejoindre en fait, on serait en fait au magasin de KFC, c'est-à-dire dans le restaurant, on commanderait un menu et avec ce menu-là, quand on aura l'addition,